Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté. Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Je dis que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Mon âme chante ce chant Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Hosanna, Hosanna. Moi je chante Alléluia. Alléluia. Chante avec moi Alléluia. Alléluia. Mon ami chante avec moi Alléluia. Alléluia. Eh, eh. Chantant Hosanna. Hosanna. Il est fidèle. Quand j'allais dans la boue de la corde.
Hosanna, eh, eh. Mon âme chante Hosanna, eh, eh. Que tout ce qui est en moi crie Hosanna, Hosanna. Que tout ce qui est en moi crie Alléluia. Justifié, racheté, Alléluia. Tu m'as pris dans les ténèbres pour me ramener à ton admirable lumière. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, la grande famille, tour de prière semeur, partout vous êtes, partout dans le monde, que la paix du Seigneur, que la faveur de Dieu soit votre partage. Voyez-vous, l'amour de Dieu crie, reviens, reviens, je t'ai racheté, reviens, reviens, je te montre l'amour. C'est Christ qui crie à nous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ainsi je vous donnerai du repos. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas fuir Dieu. Nous ne pouvons pas dire que non, je ne veux plus les choses de Dieu, parce que telle personne m'a déçu, tel pasteur m'a déçu, tel prophète m'a déçu, tel frère ou telle sœur m'a déçu, je ne viens plus. Ah, je ne veux plus les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, mais bien-aimé, ça, c'est, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais cela est l'influence de l'ennemi. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous devons racheter le temps parce que les jours sont tellement mauvais et Dieu nous appelle dans son amour divin. Dans sa bonté, bien-aimé, dans le Seigneur, il dit, je te rattrape. Alléluia, son amour te rattrape là où tu es tombé. Il dit, répands-toi et prends un bon courage. Alléluia, fortifie-toi aussi, toi qui te sens comme si on t'a abandonné, comme si tu es tout seul. Mais bien-aimé, dans le Seigneur, l'amour de Dieu parle encore ce matin. Que l'amour de Dieu puisse frapper à ta porte ce matin. Dans le nom de Jésus, que l'amour de Dieu puisse réveiller ta conscience, ta mémoire, que l'amour de Dieu puisse réveiller ton intelligence, que l'amour de Dieu puisse tuer l'homme du mal, et que l'amour de Dieu puisse enlever les mauvaises choses en toi, que l'amour de Dieu puisse ressusciter l'homme intérieur, l'homme spirituel au-dedans de toi. Dans le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, aimons Dieu plus que toute autre chose, aimons Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne déçoit personne, sois intègre, mais bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es tout seul, quand tu sens comme si tu es abandonné, oh, mais bien-aimé dans le Seigneur, il est là avec toi.
dont tu sens que non, tu n'as plus quoi manger, tu es coincé quelque part, mais quand tu es intègre, quand tu crois à son amour, quand tu es fidèle à lui, mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne va pas t'abandonner, l'Éternel ne va pas te laisser, l'Éternel sera toujours avec toi, quoi que tu vois, tu vas voir un silence, mais sa présence est là envers toi. Que tu sois fortifié ce matin, toi qui m'écoutes, que tu sois fortifié encore ce matin, parce que peut-être tu as demandé quelque chose depuis la semaine, jusqu'à ce moment tu n'as pas reçu. Peut-être tu as demandé quelque chose au début du mois, jusqu'à présent tu n'as pas encore reçu la chose, mais sache-le que son amour, alléluia, est réellement est un amour agréable, un amour compatissant, un amour parfait. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi encore, mais bien-aimé dans le Seigneur, il va réellement te restaurer, il va changer ta situation, il va changer le pleur en joie, il va enlever les ténèbres pour ramener sa lumière, il va enlever réellement l'obscurité pour éclairer ta vie. Amen. Gloire à Dieu, il va enlever les équivoques dans ton cœur. Il va enlever les doutes pour te donner de l'espérance et que tu puisses persévérer davantage. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard ou par habitude, c'est pas par notre force que nous nous réveillons le matin, que nous cherchons l'Éternel. Parce que mes bien aimés dans le Seigneur, Dieu veut réellement que nous soyons toujours à côté de lui. Lorsque nous sommes à côté de notre Père, il va réellement nous défendre. Il va nous faire réellement du bien. Alors mes bien aimés dans le Seigneur, toi qui veux réellement abandonner, n'abandonne pas. Toi qui veux jeter l'éponge, ne jette pas l'éponge. Toi qui veux réellement à s'abstenir aux choses de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, vaut mieux passer des minutes dans sa présence que de passer mille ailleurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux que je sois trouvé entre les mains de Dieu, même s'il va me frapper, mais il va me frapper avec douceur, il va me frapper avec amour, il va me frapper avec compassion, alléluia, que je sois frappé par les hommes. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes ont tué Étienne. Étienne, mes bien-aimés dans le Seigneur, on l'a lapidé par des hommes, on l'a lapidé en le tuant par des pierres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pendant qu'on lapidait, Dieu était avec lui. Il voyait la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas mes bien-aimés dans le Seigneur dans la distraction. Ne vois pas que non le mal, mais vois la gloire de Dieu. Dieu t'a positionné dans un endroit quelconque pour que ta vie change, ta vie spirituelle change. Autrefois, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais tout seul. Autrefois, tu n'avais pas de famille. Mais Dieu t'a donné la grande famille. La famille de la tour de prière Semeur. La famille chrétienne. La famille de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que tu demeures dans cette famille. Mais bien-aimé, la Bible déclare dans Psaume 133, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi demeurer ensemble? Parce que il y aura la bénédiction qui va couler comme l'huile qui va courir dans la tête d'en haut, dans ses cheveux, dans sa barbe, mais bien aimé jusqu'à son pont et son vêtement, et ça va couler. C'est alors l'Éternel envoie sa bénédiction pour toujours. Bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux bénéficier de la bénédiction de l'Éternel que de bénéficier de la bénédiction du diable. Parce que oh, mais bien aimé, au fait, ce n'est pas la bénédiction. C'est un semblant de bénédiction pour le diable. Alléluia. Mais bien aimé, quand Dieu te bénit, il te bénit. Et la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, mes bien aimés dans le Seigneur, il te donne là pour te frapper par la suite. Mais bien aimé dans le Seigneur, aimons Dieu, évitons les choses qui peuvent nous empêcher notre marche chrétienne avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Tendre Père, je viens prier ce matin. Je viens de louer, je viens t'exalter ce matin de ce que tu permets que nous soyons encore en bonne santé, de ce que tu permets que nous soyons encore en vie, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, tes bontés, nous voyons ton amour, nous voyons ta bonté, ta grandeur. Nous voyons, Seigneur, ton efficace, Seigneur de gloire, Père amour. Nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur, de ce que tu as permis que nous soyons, Seigneur,
parmi, Seigneur, ô Dieu de vivant, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, ô Dieu de gloire, nous te disons, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous connais tels que nous sommes. Même, Seigneur, ô Dieu, dans le moindre détail, tu connais nos pensées, tu connais les nombres de nos cheveux, tu connais, Seigneur, combien les ongles qu'on a déjà coupés depuis l'enfance. Ô mon Dieu, béni soit ton nom ce matin, alors que nous voulons, Seigneur, prendre part, Seigneur, ô Dieu, dans ta présence, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, se ramène, Seigneur de gloire, Père, se multiplie, et que ton amour, Seigneur de gloire, Père, puisse valoriser, Seigneur, tout ce que nous allons faire dans cette journée, et que cette journée, Seigneur, soit une journée agréable, et que nos vies, Seigneur, soient une vie agréable, et que nous puissions penser de passer, Seigneur, des heures agréables, et que nous puissions être, Seigneur, dans ta droiture. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, et que ce temps soit pour ta seule gloire, et cela dans les noms de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons si prié avec action de grâce, et nous disons tous Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce matin que l'Éternel des armées, Père éternel, notre Dieu, puisse changer notre situation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations qui sont difficiles dans nos vies et que nous n'arrivons pas à trouver la solution. Nous n'arrivons pas à trouver la bonne réponse et Dieu ce matin veut réellement changer cette situation. Alléluia, Dieu veut changer cette situation en commençant par notre corps spirituel, en commençant par notre état d'âme. Dieu veut changer notre état d'âme, Dieu veut nous restaurer davantage. Dieu est amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Et à savoir ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un secret que je vous donne. Quand tu pries Dieu, mes bien-aimés, c'est pour que ta vie puisse changer. Quand tu pries Dieu pour que ta vie puisse s'améliorer davantage, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela. Nous ne devons pas abandonner la présence de Dieu. Nous devons toujours chercher Dieu. Quoi que nous sommes tombés, quoi que nous sommes malades, quoi que nous n'avons pas la force, mes bien-aimés, demandons la force à l'Éternel et l'Éternel va nous accorder la force. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va dire ceci dans Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que tu ne peux pas fuir Dieu, parce que c'est Dieu qui va te secourir, parce que c'est Dieu qui va te donner son assurance, c'est Dieu qui va te donner sa miséricorde, que c'est Dieu qui va t'accorder sa grâce au fait. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons nous approcher au trône de la grâce pour obtenir miséricorde, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous soyons secourus dans nos besoins. Alors ce matin, mes bien-aimés, là où tu te trouves, commence à t'approcher auprès de Dieu. Approche-toi auprès du Seigneur et demande-lui que Dieu puisse te pardonner. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, alléluia, humilions-nous sous la puissance sous sa main puissante afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas commencer sans pourtant demander pardon. Nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans un moment très difficile. Mes bien-aimés, le diable s'est levé d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Il y a la guerre partout, il y a des cris partout, il y a des incompréhensions partout, il y a des divisions partout. Le diable est en train de semer des divisions, le diable est en train de semer des doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Le diable est en train de ramener la froideur dans la vie des enfants de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon. Peut-être tu entends, tu laisses ton oreille écouter le venin du serpent, le venin du malin. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Demandons pardon pour que Dieu puisse nous pardonner, frères et sœurs. Pour que Dieu puisse nous pardonner de son amour, de sa bonté, de sa grâce ce matin.
Alors, frères et sœurs, nous allons nous humilier, alléluia, sous la main puissante de l'Éternel, afin que nous soyons élevés au temps convenable. Là où tu es, tu te trouves, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse te pardonner. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité de Dieu ne sera point en nous. C'est pour cela, ce matin, comme un enfant qui reconnaît ses fautes, un enfant qui reconnaît son état, un enfant, il va demander pardon à son père, il va demander pardon à ses parents, il va demander pardon à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous de cet enfant, l'enfant prodigue, lorsqu'il est rentré en lui, la Bible déclare, étant rentré en lui, il a raisonné que non, j'ai mal fait, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon père, je dois retourner et je dois demander pardon parce que je ne suis pas digne. Il a regretté ses péchés, ses fautes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Encore aujourd'hui, il va encore nous accorder sa grâce. C'est pour cela, nous allons demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça symbolise que tu puisses être renouvelé, que tu sois changé, ton caractère, ta façon de voir au nom de Jésus. Commencez à prier ce matin. Oui, tendre Père, nous venons devant toi ce matin, Seigneur, car la Bible déclare, si mon peuple est circuit, est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, oh Dieu, nous voici devant toi ce matin, Seigneur. À l'heure, Seigneur, va Père, oh Dieu, de la prière du matin. À l'heure de la prière du matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour dire, nous ne sommes pas dignes. Non, Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur. Ce que je puis entendre, ce que je puis regarder, ce que je puis parler, Seigneur, ce que je puis garder dans mon cœur, Seigneur, c'est sale, je ne peux pas, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je viens, Seigneur, voir Père, pour te dire, oh Dieu, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans ton amour, prends-moi Seigneur de gloire et décharge-moi Seigneur et que je sois déchargé en ce jour et que je sois déchargé en ce jour. Je t'en prie tendre Père, mon âme a besoin de toi, mon esprit a besoin de toi, mon corps a besoin de toi, ma vie a besoin de toi. Voilà pourquoi ce matin je viens devant ta présence, voilà pourquoi ce matin je viens devant ton trône Seigneur de gloire. Père, que ferais-je sans toi Seigneur? Que deviendrais-je sans toi, Seigneur? Le monde, Seigneur de gloire, Père, ramène que la division. Le monde ramène que, Seigneur de gloire, Père, la confusion, Seigneur. Le monde ramène, Seigneur, que la haine. Le monde ramène, Seigneur, que la perte, Seigneur. Je ne veux pas la haine. Je ne veux pas la division. Je ne veux pas, Seigneur de gloire, de se séparer avec toi. Je veux, Seigneur de gloire, bénéficier de ton amour. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour dire, pardonne mon cœur, pardonne mes enfants, pardonne ma maison, pardonne ma femme, pardonne moi-même, Seigneur. Père éternel, pardonne mes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous pardonnes mieux. Ah, je viens ce matin, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, Père, lorsque nous tournons le regard sur toi, Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Je te prie ce matin, Seigneur, voici, Seigneur, mon visage, Seigneur, est tourné vers toi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, je m'approche à toi ce matin, Seigneur, comme ta parole nous le dit, Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, je viens ce matin, je m'approche à toi, Seigneur, je m'accroche à toi ce matin, Seigneur, pour, Seigneur de gloire, oh Dieu, obtenir miséricorde. Seigneur, je veux ta miséricorde surabonde dans mon cœur et que tu pardonnes mes fautes et que tu pardonnes mes iniquités et que tu pardonnes, Seigneur, oh Dieu, mes maladresses, et que tu pardonnes, Seigneur, de gloire, mon état. Je t'en prie, Seigneur. Oh Dieu, entends ma prière ce matin, entends mon cri ce matin, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, oh Dieu, toi qui connais ma vie, toi qui connais, Seigneur, oh Dieu, alléluia, toutes choses, Seigneur. Voilà pourquoi je viens ce matin. Voilà pourquoi je viens ce matin, Seigneur.
Oh Dieu, essuie mes larmes, Seigneur. Je ne vais pas pécher devant toi. Je ne vais pas pécher, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu, devant ta présence, je ne vais pas être, Seigneur, dans le péché, Seigneur. Je te prie ce matin de me pardonner, Seigneur. De me pardonner par ton amour, Seigneur. Et que ton amour, Seigneur, m'environne ce matin. Et que ton amour, Seigneur, m'environne, Seigneur. Environne-moi dans ton amour divin, dans les noms de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur ce matin. Le Seigneur Dieu veut nous changer notre situation. Le Seigneur Dieu veut nous changer notre vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, regardons mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Frères et sœurs, nous allons demander le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau puisse nettoyer nos cœurs. Le sang de l'agneau puisse purifier nos vies pour que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit. Parce que dès lors, le péché est collé dans notre vie. Le Saint-Esprit est attristé. Dès lors, la colère est collée dans notre pensée. Le Saint-Esprit est attristé. Dès lors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas reconnu notre état. Nous n'avons pas reconnu notre faute. Nous voulons simplement avoir le raison. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. C'est pour cela, ce matin, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse nettoyer nos cœurs. Le sang de l'agneau puisse purifier nos vies. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché comme Hébreux 9, 22 nous le dit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander le sang de l'agneau de nous sanctifier, de nous laver ce matin, de nous purifier ce matin, car le sang de l'agneau est capable d'enlever les fautes. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Alors là où tu te trouves, commence à prier, commence à demander le sang de l'agneau, afin que le sang de l'agneau puisse enlever le péché. Frères et sœurs, si nous avons le péché en nous, nous avons à attrister le Saint-Esprit. Si le péché demeure encore dans nos vies, nous attristons encore davantage le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, demandons le sang de l'agneau. Dieu voit que le sang de l'agneau, Dieu pardonne qu'au travers du sang de l'agneau. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur, commence à prier. Oui, tendre Père, nous voici devant toi. Je viens devant ta présence ce matin, Seigneur. Je te demande que tu puisses nettoyer mon cœur, nettoie mon âme, nettoie mon esprit, nettoie ma vie ce matin, Seigneur. Oh Dieu, je regarde, Seigneur, du début jusqu'à ce moment, Seigneur. Je vois encore, Seigneur, il y a encore, Seigneur, de gloire, Père, le travail à faire dans ma vie. Je te prie ce matin, je ne vais pas attrister le Saint-Esprit, oh Dieu, vis-à-vis de mon comportement, vis-à-vis de mon caractère, vis-à-vis, Seigneur, de gloire, Père, de mes pensées, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, de me sanctifier. Sanctifie mon cœur ce matin. Sanctifie mon âme ce matin, Seigneur. Sanctifie-moi ce matin et que je sois purifié et que je sois lavé et que je sois nettoyé et que je sois sanctifié ce matin, Seigneur. Ah, le sang de l'agneau qui ôte le péché, le sang de l'agneau qui est capable d'enlever l'angoisse, le sang de l'agneau qui est capable d'enlever le trouble, Seigneur, dans notre pensée. Je te prie ce matin, nettoie mon cœur, nettoie ma vie ce matin, Seigneur. Je t'en prie ce matin, je t'en prie le roi de gloire, je t'en prie, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, ce matin, Seigneur, je veux que ma maison soit nettoyée, je veux que, Seigneur, ma vie soit lavée par le sang de l'agneau, afin que, Seigneur, le Saint-Esprit ne soit pas attristé, mais qu'il soit content de moi. Je te prie ce matin, Seigneur, lave mon cœur, lave ma vie ce matin, Seigneur, mes mains soient lavées, Seigneur, ma bouche soit lavée, mes pensées, Seigneur de gloire, Père, soient nettoyées, Seigneur. Oh Dieu, mon cerveau soit lavé. Je te prie ce matin. Je veux ce matin que je sois purifié de tout mal, de tout péché, Seigneur. Il me faut le sang de l'agneau. Il me faut le sang qui ôte le péché du monde. Il me faut le sang de Christ et Jésus de Nazareth. Parce que, Seigneur, nous savons que Jésus-Christ a été présenté comme étant agneau de Dieu, agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Jean va voir Jésus et va présenter
présenté Jésus devant le peuple, devant la foule. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voici, Seigneur, ce matin. Nous voulons que nous soyons purifiés par le sang précieux, le sang sans tache ni ride, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau ce matin. Nous lave corps et âme, esprit. Le sang de l'agneau nous purifie ce matin. Corps et âme, esprit, nettoie mon cœur, nettoie ma vie ce matin. Oui, je veux, Seigneur de gloire, je veux être nettoyé. Oh Dieu de gloire, paix, afin que je ne puisse pas rêver des mauvaises choses, afin que je ne puisse pas encaisser des mauvaises choses, afin que je ne puisse pas faire, mon Dieu, mon cœur comme un nid de péché. Je ne veux pas ce matin. Lave-moi ce matin, Seigneur. Pardonne-moi ce matin. Purifie mon cœur et que je sois lavé par le sang de l'agneau. Car le sang de l'agneau qui crie mieux que celui d'Abel, ce matin, je t'en prie, Seigneur, je ne vais pas attrister le Saint-Esprit dans mon comportement. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit, oh Dieu, dans ma marche. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit dans mon caractère. Mais ce que je veux ce matin, obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux, oh, en étant lavé par le sang, et que tu puisses me laver, et que tu puisses me nettoyer, et que tu puisses me sanctifier, Seigneur, et que je sois secouru ce matin, Seigneur, en me lavant, Seigneur, en me nettoyant, Seigneur, par le sang de Christ et Jésus de Nazareth, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur ce matin. Alléluia, nous allons encore prier le Seigneur ce matin. Alors, mes bien-aimés, nous allons demander que le Saint-Esprit nous puisse nous donner des nouveaux habits. Que le Saint-Esprit puisse nous donner des nouveaux habits ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner, alléluia, un nouveau élan ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous donner des nouveaux habits ce matin dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, tu vas simplement dire, Saint-Esprit, change mon habit ce matin. Change mon habit ce matin. Donne-moi de nouveaux habits ce matin. L'habit royal, l'habit de la sainteté, l'habit de la piété. Au nom de Jésus, commence à supplier au Saint-Esprit de te donner de nouveaux habits, de changer ton habit ce matin. Au nom de Jésus, oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, si nous voulons que le Père puisse changer notre situation, nous aussi, nous devons demander au Saint-Esprit de changer nos habits. C'est-à-dire, j'accepte d'obtenir les habits de la sainteté, les habits de la vérité, les habits de la piété, les habits de la justice, les habits de la loyauté. Alléluia, commence à prier ce matin. Oui, Saint-Esprit, tel que nous venons ce matin, nous voulons que nos habits soient changés. Seigneur, au Dieu de gloire, alors il s'agit donc de mon cœur, et que mon cœur soit changé. Donne-moi un nouveau cœur, donne-moi un nouveau esprit ce matin, l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, valorise ma vie ce matin, donne-moi des nouveaux habits ce matin, change mon habit, je ne vais pas demeurer dans des habits, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, en lambeaux, je ne vais pas demeurer dans les habits, Seigneur, archaïques, je te prie ce matin de me changer, donne-moi des nouveaux habits ce matin, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, toi qui connais mon cœur, toi qui connais ma vie, je t'en prie ce matin, l'Esprit du Seigneur, donne-moi des nouveaux habits, donne-moi un nouveau langage, donne-moi un nouveau comportement, donne-moi, oh je t'en prie ce matin, change mon cerveau, change ma configuration, change mon caractère, l'Esprit du Seigneur, viens ce matin, donne-moi les nouveaux habits ce matin, habits royaux, habits de la sainteté, habit réellement de la purification, de la sanctification, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la loyauté, de marcher dans la justice de Dieu. Oh, change mes habits ce matin. Change mes habits, Saint-Esprit de Dieu. Je veux ce matin que tu m'habilles ce matin. Je veux que tu me puisses me revêtir, oh, par des habits royaux, par des habits de la sainteté, par les habits de la vérité, et que la vérité soit dans ma bouche, et que la vérité soit dans mon caractère, et que je ne puisse pas mentir, et que je ne puisse pas être dans le mensonge. Je t'en prie, Saint-Esprit,
Donnez-moi de nouveaux habits. Donnez-moi de nouveaux habits ce matin. Le habit qui symbolise le cœur. Donnez-moi ton cœur ce matin. Donnez-moi ton esprit ce matin. Et que la sainteté soit le partage de mon cœur. Et que la sainteté soit au-dedans de ma vie. Et que la sainteté soit le parti pris de mon cœur, de mon être, dans le nom de Jésus. Ce matin, je veux être changé. Oh, que mes habits soient changés et que mon caractère soit changé et que ma façon de voir soit changée, ma physionomie soit changée, mon état soit changé par les habits royaux. Oh, par les habits de la sainteté, les habits de la sanctification, les habits de la consécration, les habits, de la détermination. Je t'en prie, Saint-Esprit, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit d'enlever l'injustice dans notre pensée, d'enlever l'injustice dans notre conscience. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable va mettre le trouble dans la vie des gens pour dire que non, le bien, c'est le mal. Quand on dit ça, c'est le bien. Le Saint-Esprit dit ça, c'est le bien. Le diable va venir pour dire non, ce n'est pas le bien, c'est le mal. Alors nous allons demander au Saint-Esprit ce matin que le Saint-Esprit puisse nous guider ce matin. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse nous guider ce matin et que nous soyons réellement dans la justice, qu'il enlève l'injustice au-dedans de nous, qu'il enlève le mal au-dedans de nous, qu'il enlève tous ceux qui ne sont pas de lui au-dedans de nous. Commencez à prier ce matin. Saint-Esprit, enlève l'injustice dans mon cœur. Saint-Esprit, enlève le mal dans ma vie. Saint-Esprit, enlève le paranoïa dans ma vie. Saint-Esprit, enlève les mauvaises pensées. Saint-Esprit, je t'en prie ce matin, enlève les mauvaises pensées dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'en prie ce matin, enlève l'injustice, enlève la mauvaise pensée, enlève le péché dans mon cœur. Saint-Esprit, enlève tout ce qui est rébellion, enlève tout ce qui est, alléluia, tout ce qui est stagnation. Je t'en prie, Saint-Esprit, enlève l'injustice dans mon cœur, enlève l'injustice dans mon cœur, enlève la fausseté dans mon cœur, enlève le mal dans mon cœur, enlève les mauvaises choses dans ma vie. Et cela dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie ce matin, que tu m'enlèves ce matin l'injustice et que je ne sois pas dans l'injustice. Enlève l'injustice dans mon cœur, enlève l'injustice dans mon cœur, enlève l'injustice dans mon travail, enlève l'injustice dans mes ajustements. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, commence à enlever l'injustice au-dedans de moi. Oh, je t'en prie ce matin, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire un passage. Gloire au Seigneur, nous allons lire un passage merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier par rapport à cet thème. Alléluia. Que Dieu puisse changer nos vies. Que Dieu puisse changer nos vies ce matin. Gloire au Seigneur. Permettez-moi, je cherche le verset que j'avais mis. Gloire au Seigneur. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Celui de la délivrance, je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie.
Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens, Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie, chapitre 3, au verset 3 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui le vêtement sale. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons que Dieu, l'Éternel des armées, notre Papa, puisse changer notre situation. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit donc de ta vie, mes bien-aimés. Il s'agit donc de ton cœur, il s'agit donc de ton caractère. Que Dieu puisse te donner des habits et des fêtes, c'est-à-dire de changer ta situation. La situation soit changée en toi, à l'intérieur de toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons travailler avec diligence. Nous voulons travailler avec le cœur qui est sincère. Amen. Le cœur qui est sincère. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà vécu cela, nous avons déjà vu cela. Mais bien-aimés, vous allez voir quelqu'un, tu étais avec lui. Bien, vous parlez bien, vous mangez bien. À un moment donné, la personne là, il tourne, il va prendre ta femme, il va prendre ton mari. Tu vas dire, mais comment tu m'as fait comme ça? Comment tu es arrivé à faire ça? Et pourtant, je suis ton ami. Et pourtant, on parle bien. Comment tu as pu faire cela? Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme est réellement tortueux. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que la personne est dans le péché. La personne est dans l'ignorance de la parole de Dieu. La personne, mes bien-aimés, est conduite selon le train de ce monde. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, que Dieu puisse changer nos vies. Peut-être tu es en train de pleurer. Peut-être tu es en train de passer des moments très difficiles parce qu'on ne t'a pas embauché, parce que tu n'as pas reçu une lettre de la vie favorable. Peut-être tu as perdu beaucoup de biens. Peut-être tu as perdu ton talent. Peut-être tu as perdu réellement ton héritage. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut changer ta situation comme il avait changé dans la vie de Job. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela ce matin, tu vas demander à Dieu. Nous allons demander à l'Éternel des armées. C'est lui qui change les habits. C'est lui qui change le temps. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qui change l'homme. C'est lui qui change, mes bien-aimés dans le Seigneur, les climats, c'est Dieu. Alors, frères et sœurs, nous allons demander à l'Éternel des armées qu'il puisse changer. Voyez-vous, Josué était réellement couvert par des vêtements sales. Mais il se tenait devant l'ange. Mais bien-aimés dans le Seigneur, des fois, peut-être tu peux aussi être à l'église, mais tu détiens des habits sales. Tu es sale devant vis-à-vis de Dieu. Nous te voyons, tu es propre, tu as un bon teint, un teint qui est clair. Nous voyons, tu es vraiment belle, mais à l'intérieur de toi, Dieu te voit que tu es sale. C'est pour cela ce matin que Dieu puisse changer ta situation, que tu puisses changer ta situation financièrement, professionnellement, sentimentalement, alléluia, spirituellement, physiquement, au nom de Jésus. Et alors, tu vas demander à Dieu ce matin de changer ta situation. Tu vas dire, mon Père, alors que je me tiens dans la porte du matin, je prie ce matin de me changer, alléluia, et que tu me changes ma situation, et que tu changes la situation, ma situation financière, ma situation professionnelle, ma situation un physique, ma situation spirituelle, et que tu changes, mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas développer ce sujet, tu vas demander à notre Père, tendre Père, il est bon, notre Père, il voit, il dit jusqu'à présent, mes enfants, vous n'avez rien demandé, demandez pour que votre joie soit parfaite, demandez juste pour que votre joie soit dans l'allégresse. Allons, frères et sœurs, mais bien aimé dans le Seigneur, Josué a obtenu réellement les habits de fête, cela veut dire, la réjouissance était rentrée dans sa vie, alléluia.
alléluia, que ce matin, la réjouissance puisse rentrer dans ta vie, dans les noms de Jésus, et que Dieu puisse changer ta vie, toi qui pleures en coup de sous la couette, toi qui pleures dans ta chambre, Dieu te voit ce matin, Dieu te dit, ce matin, il veut changer ta situation, Dieu te dit, il veut changer ton comportement, il suffit simplement que tu crois, et qu'il suffit simplement si tu acceptes sa parole, il va changer ta situation émotionnelle, spirituelle, physique, oh spirituelle, oh professionnelle, Dieu veut changer cela, alors tu vas commencer à parler, parle à Dieu ce matin, l'opportunité t'est donnée ce matin, commence à dire à Dieu, commence à supplier Dieu, oh tendre Père, nous voici devant toi ce matin, comme Josué, il s'est tenu devant devant l'ange, mais il était sale, oh Dieu de gloire, nous venons devant toi tel que nous sommes, toi qui connais Seigneur, moins des détails de notre corps, de notre vie Seigneur, nous voici devant toi, je te prie ce matin mon Père, de changer ma situation Seigneur de gloire professionnelle, de changer ma situation Seigneur spirituelle, de changer ma situation physique, de changer ma situation Seigneur émotionnelle, de changer ma vie ce matin, oui je t'en prie tendre Père, oh Dieu de gloire, je veux Seigneur qu'il y ait un changement Seigneur, et que je puisse fêter, et que je sois dans l'allégresse, et que je sois dans la prospérité, et que je sois dans la sanctification, et que je sois Seigneur de gloire, un enfant intègre, un enfant, oh Dieu de gloire, qui est obéissant, un enfant qui va manger le fruit, oh Père éternel, oh Dieu fruit Seigneur que tu as préparé, je te prie ce matin Seigneur, je te prie ce matin Seigneur, viens me changer, change ma situation, la situation de ma maison, la situation de mon cœur, la situation de ma famille, la situation de mes enfants, la situation de ma femme, la situation de ton église, la situation Seigneur de gloire, Père, qui nous a, oh Père éternel, la situation qui nous accable, je te prie ce matin mon Père, et que tu changes Seigneur ma situation, change-moi ce matin Seigneur, à me revêtant Seigneur, d'un habit de fête, à me donnant Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, le sourire dans mon visage, le sourire dans mon cœur, je te prie ce matin, et que Seigneur, à l'intérieur de moi, puisse bouillonner, oh bouillonner de la grâce, bouillonner Seigneur de gloire du changement, oh je t'en prie, tendre Père, viens me changer, localise-moi ce matin Seigneur, en me changeant Seigneur de gloire mon parcours, en changeant mon histoire, je te prie ce matin mon Père, à cause de ta bonté, à cause de ton amour Seigneur, oh Dieu, je te prie ce matin, je te prie ce matin Seigneur, que tu changes ma vie, que tu changes mon caractère, que tu changes ma situation, Père éternel, que ma situation puisse changer, regarde, le monde est en train de crier, crise, le monde est en train de crier, Seigneur, ne va pas, ça ne va pas, le monde est en train de crier, Seigneur, mais nous ne sommes pas dans ce monde, nous appartenons, oh Dieu, au royaume céleste, nous nous appartenons, Seigneur, ne va pas, au royaume des lumières, je te prie ce matin, mon Père, change-nous ce matin, ne nous laisse pas ce matin, et que tu nous changes, change mon caractère, change ma vie ce matin, et que ma vie soit basculée en bien, et que ma vie soit changée en bien, et que je puisse dire, l'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien, oh je puisse dire, l'Éternel est ma lumière, que je puisse dire, l'Éternel est mon tout, ah je te prie ce matin de changer ma situation, ma situation économique, ma situation financière, ma situation Seigneur spirituelle, ma situation émotionnelle, ma situation professionnelle, ma situation spirituelle, ma situation physique, au nom puissant de Christ et Jésus, tu en es l'auteur, tu en es capable Seigneur de changer cela dans le nom de Jésus, alors ce que je te demande est que je sois revêtu de vêtements de fête, que je sois revêtu d'un vêtement de mariage, que je sois revêtu d'un vêtement Seigneur de célébration, que je sois revêtu d'un vêtement Seigneur, oh Dieu, de te louer, de te célébrer davantage, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur ce matin. Alléluia. La Bible déclare,
L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est réellement parallèle, alléluia, à ce verset-là. L'ange de l'Éternel campe tout autour. Voyez-vous, Josué était couvert de vêtements sales, mais l'ange était devant lui. Oh my God! L'ange a pris la parole et de dire, alléluia, aux personnes qui étaient là, il a ordonné de pouvoir enlever le vêtement sale. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu n'as pas fait la faute, mais on te met la faute. Tu n'as pas commis du péché, mais on te met comme si tu as fait le péché. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alors tu vas prier ce matin, tu vas prier à Dieu ce matin, tu vas dire, mon Père, je te prie ce matin d'ordonner ce matin, d'enlever le vêtement sale dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma famille, et que les habits sales puissent quitter ma vie, et que les habits sales puissent nous quitter dans le nom de Jésus. Commencez à prier ce matin. Oh, que Dieu puisse ordonner au nom de Jésus. Oui, tendre Père, ordonne ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Ordonne ce matin, Seigneur, et que, Seigneur, ma famille soit, oh Dieu de gloire, ôtée des habits sales, et que mes enfants, Seigneur de gloire, Père, soient ôtés des habits sales dans le nom de Jésus. Père éternel, leur comportement, leur, Seigneur de gloire, Père, réputation, Seigneur, oh Dieu, sois, Seigneur, une bonne réputation dans le nom de Jésus. Mon Père, je t'en prie ce matin, commence à enlever les mauvaises odeurs. Commence à enlever les mauvaises odeurs, Seigneur de gloire, Père, dans la vie de mes enfants. Commence à enlever les mauvaises odeurs, ah Dieu de gloire, dans mon comportement, dans ma vie ce matin, Seigneur, et que je ne sois pas, Seigneur, dans un mauvais comportement, et que, Seigneur, ma réputation, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, soit valorisée dans le nom de Jésus. Je t'en prie, tendre Père, je t'en prie, le roi de gloire, ce matin, Seigneur, je viens, Seigneur, au Dieu, je viens dans la porte du matin pour dire, tendre Père, j'ai besoin, Seigneur, que tu ôtes, Seigneur de gloire, Père, la mauvaise réputation, que tu enlèves, Seigneur, le mauvais odeur, les mauvaises ondes. Je t'en prie ce matin, Seigneur, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie, Seigneur de gloire, de ton peuple. Seigneur, oh Dieu de gloire, que nous soyons changés. Oh, que nous soyons réellement changés, Seigneur. Et que nous soyons, Seigneur de gloire, Père, dans la joie de te dire, ah, nous avons, Seigneur, de vrais habits, de beaux habits, des habits royaux, des habits, Seigneur de gloire, Père, qui sont réellement propres. Je t'en prie ce matin, Seigneur. Toi qui es capable, Seigneur, ordonne ce matin. Ordonne, Seigneur, pour ma famille. Ordonne pour mes enfants. Ordonne, Seigneur, pour ma femme. Ordonne, Seigneur, pour ton église. Ordonne ce matin, Seigneur, qu'on puisse enlever les mauvaises odeurs. Qu'on puisse enlever la mauvaise réputation. Qu'on puisse enlever, Seigneur de gloire, les mauvaises choses au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah, tendre Père, toi qui connais toutes choses, Seigneur, petits et grands, Seigneur, nous te supplions ce matin, Seigneur, nous te supplions, le roi de gloire, ce matin. Ah, Dieu de gloire, nous voici devant toi. Nous voici devant toi ce matin, Seigneur. Ah, Dieu de gloire, accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de vrais vêtements, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de vrais vêtements au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de maintenant et à jamais. Alors, frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin. Tu vas dire ce matin, et que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour de toi dans cette journée. Tu vas dire, l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi dans cette journée, afin de me sécuriser, afin de me protéger. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quoi? Quand l'ange de l'Éternel ne campe pas tout autour de toi, tu auras la fatigue même de prier. Tu auras la fatigue même de lire la parole de Dieu. Tu auras la fatigue de ne pas venir à l'église. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, mes bien-aimés, ce sont des choses vraies. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, tu vas dire, l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi, afin de me sécuriser, afin de me protéger. Alléluia. Commence à prier ce matin. Oui, oh Dieu de gloire, nous te prions ce matin, Seigneur,
Que ton ange, Seigneur, puisse camper tout autour de nous. Enfin, Seigneur, de nous sécuriser, Seigneur, dans cette journée. Et que ma vie soit sécurisée, Seigneur, par l'ange de l'Éternel. Et que mon cœur soit sécurisé par l'ange de l'Éternel. Que ma maison soit sécurisée par l'ange de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, mon entourage soit sécurisé par l'ange de l'Éternel. Enfin, que je puisse lire la parole. Enfin, que je puisse parler que de Christ. Enfin, que je sois dans la nouveauté de vie. Enfin, que je puisse marcher correctement, dignement, selon la parole de Christ, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce matin, que l'ange de l'Éternel puisse camper dans mes pensées, que l'ange de l'Éternel puisse camper au-dedans de moi, que l'ange de l'Éternel puisse camper, envahir ma maison, que l'ange de l'Éternel puisse envahir mon cœur, que l'ange de l'Éternel puisse camper, alléluia, dans ma voiture, et que l'ange de l'Éternel soit mon compagnon dans cette journée, dans le nom de Jésus, enfin de m'arracher du danger, enfin d'enlever le danger, les accidents qui étaient prévus dans l'ennemi par l'ennemi, et que cela soit nul sans effet, dans le nom de Jésus, je t'en prie ce matin manifeste-toi, parce que tu es le Dieu, Dieu ordonne, Seigneur, à l'ange que tu as, Seigneur, va disposer enfin de nous arracher du péché, de nous arracher du danger, dans le nom de Jésus, et que nous soyons arrachés du danger ce matin dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, nous allons encore demander à Dieu. Mes bien-aimés, vous savez quoi? Nous voulons être justes devant Dieu. Alléluia. Nous voulons être justes devant Dieu. Parce que Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu, alléluia, qui est un Dieu jaloux. Il n'aimait pas le péché. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas demander à Dieu ce matin. Tu vas demander à Dieu ce matin que tu puisses demeurer dans sa présence, demeurer dans sa convivialité, demeurer dans son amour, demeurer dans son alliance. Alléluia, que tu puisses demeurer dans son alliance, que tu puisses demeurer dans son amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est comme un nid. Alléluia, un nid des oiseaux. L'amour de Dieu, c'est comme un nid, c'est-à-dire tu es dedans. Il va prendre soin de toi. Il va sécuriser ta vie. Il va te donner la nourriture. Il va te nourrir. Il va te protéger. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, prions le Seigneur ce matin. Oui, tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Je désire demeurer dans ton amour. Je désire demeurer dans ton nid d'amour ce matin. Seigneur, oh Dieu, que ma famille, que mes enfants, Seigneur, soient, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, dans ton amour divin, Seigneur. Je ne vais pas quitter ton amour, Seigneur. Ton amour qui nous sauve, ton amour qui nous donne, Seigneur, oh Dieu, la grâce. Ton amour, Seigneur, qui nous bénit. Ton amour, Seigneur, qui nous enrichisse. Ton amour, Seigneur de gloire, Père, qui nous fait du bien, Seigneur. Ton amour, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, le meilleur, Seigneur, gloire, partage. Seigneur, oh Dieu de gloire, je te prie ce matin, je te prie ce matin que nous soyons, Père, trouvés, Seigneur de gloire, Père, dans ton nid d'amour. Oh Dieu, que nous soyons, Seigneur, dans ton amour divin, Seigneur, que ma femme, que mes enfants, Seigneur, oh Dieu, soient dans ton amour, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, quand tu sens que tu as des combats, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Sache-le que Dieu veut te ramener quelque part, parce que le diable veut empêcher que tu puisses pas rentrer dans ta destinée. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des combats. Alors nous allons prier, mes bien-aimés, pour la tour de prière ce matin. Nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu puisse garder cette plateforme et que Dieu puisse donner la force, alléluia, au leader, que Dieu puisse donner l'énergie nécessaire, afin que la tour demeure ferme. Alléluia, la tour, c'est toi aussi. La tour, c'est nous tous. Et que Dieu puisse que solidifier la tour, et que Dieu puisse protéger la tour, et que la tour ne puisse pas tomber au nom de Jésus, et que la tour soit réellement enracinée dans la parole de Christ. Commencez à prier ce matin. Prions pour la tour de prière semeur. Et que la tour de prière semeur soit une bénédiction pour les nations. Dans le nom de Jésus, commencez à prier. Oui, tendre Père, me voici ce matin, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, et que tu puisses sécuriser la tour. Et que tu puisses mettre des fumiers tout autour de la tour. Enfin que, Seigneur, nous ne puissions pas tomber. Enfin que la tour soit une bonne tour. Enfin que la tour soit, Seigneur, une source de bénédiction pour le peuple, pour les nations. Dans le nom de
de Jésus. Père éternel, sécurise-nous, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Oh Dieu, malgré la tempête, malgré, Seigneur, oh Dieu, Père, le vent, malgré, Seigneur de gloire, Père, le serpent, Seigneur. Mais éternel Dieu de gloire, tu nous as dit, Seigneur, nous allons écraser le serpent, Seigneur, parce que celui qui est en nous est plus fort. Alors nous te prions ce matin, Seigneur, pour la tour de prière ce matin. Saisis la tour de prière ce matin dans tes bras d'amour. Père éternel, je t'en prie ce matin, Seigneur, que la tour de prière ce matin soit efficace, soit enracinée dans la parole de Christ, et qu'il n'ait point de compromission, qu'il n'ait point du péché, qu'il n'ait point, Seigneur, de gloire, des choses semblables au monde. Père, nous te prions, Seigneur, que la tour demeure, oh, dans la sainteté, dans la piété, dans la justice, dans la droiture, dans l'amour, dans la compassion de Christ, dans le nom de Jésus. Père éternel Dieu, la Bible déclare tout ce qui est entre tes saintes mains. Personne ne peut le dérober. Je te prie ce matin de garder la tour sainte et sauve dans le nom de Jésus. Afin que les disputes, afin que les divisions, Seigneur, soient ôtées au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Mon Père, je t'en prie ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, et que tu puisses sécuriser la tour. Oh Dieu de gloire, Père, de bas en haut en bas, au nom puissant de Jésus, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, Père éternel. Sécurise la tour, et cela dans les noms puissants de Christ et Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Alors que nous venons devant toi, ô Dieu, nous croyons, Seigneur, ô Dieu, dans ta parole. Nous croyons, Seigneur, dans ton amour divin, Seigneur, que tu es le Dieu puissant, Seigneur, que tu nous changes, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père, lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu envoies ta parole pour nous guérir, tu envoies ta parole pour nous sauver, tu envoies ta parole pour nous changer, ta parole est là pour nous changer, Seigneur, je bénis ton peuple, Seigneur, qui sont, Seigneur, connectés ici, Seigneur, oh Dieu, avec leur cœur qui est sincère devant toi, Seigneur. Père, merci de ce que tu as donné, Seigneur, oh Dieu, à tout un chacun de nous, Seigneur, la force de pouvoir prier, Seigneur, dans cette plateforme de la tour de prière ce matin. Éternel Dieu, bénis, Seigneur, cette journée. Nous recommandons cette journée entre tes saintes mains. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner dans cette journée. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner davantage. Que le bonheur et la grâce puissent remplir nos assiettes, afin que nous puissions manger avec appétit. Que le bonheur et la grâce puisse nous donner, Seigneur, de nouveaux habits dans le nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce puissent coller à notre peau. Que le bonheur et la grâce puissent ramener la joie du Seigneur dans la vie de tout un chacun. Et cela dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin et que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et que vous soyez réellement des enfants des lumières. Et que vous puissiez éclairer votre lumière là où vous allez travailler. Vous allez fouler vos pieds et cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans cette journée que la lumière demeure sur vous. Je déclare dans cette journée que le bonheur soit votre partage. Je déclare que la grâce de Dieu sera bonne dans vos familles dans le nom de Jésus et que votre situation maintenant est changée dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme. Si vous pouvez aimer la vidéo, s'il vous plaît, pour que nous puissions donner l'accès à quiconque de pouvoir bénéficier aussi de cette prière. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est jamais archaïque, n'est jamais caduque. La prière n'est jamais caduque. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, Dieu prend cela en considération. Alléluia, même si la prière que tu avais fait avant et avant, alléluia, si tu es intègre, Dieu va encore accompagner ta prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, si vous êtes là pour la toute première fois, mettez le chiffre 3. Le chiffre 3 qui représente la résurrection. Mettez le chiffre 3 et mettez votre ville à côté. Afin que nous puissions vous identifier dans le nom de Jésus. Et afin que nous puissions vous saluer aussi. Et que nous vous souhaitons la bienvenue sur la tour de prière semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et à savoir, c'est, euh,
Aujourd'hui, c'est le vendredi, donc nous aurons la prière. N'oubliez pas la délivrance pour les familles. Venez nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez un enfant qui est malade, ramenez l'enfant. Il ne faut pas garder l'enfant à la maison. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu parle, l'homme n'est pas garde. C'est pour cela, mais bien-aimés, il y a toujours des retards dans nos situations. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à être connectés dans la dimension de la parole de Dieu. Quand Dieu dit que non, il y a 4 ou 5 vendredis de délivrance, mais bien-aimés, ramenez les enfants, ramenez les familles, comme nous puissions prier pour eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Joséphine, ah, comme tu habites à Paris, je t'invite à l'église aujourd'hui. Si tu as le temps, vraiment, viens. Ou si tu n'as pas le temps, viens même le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans notre plateforme de la tour de prière sommaire. Et nous sommes une maison de prière. Nous sommes aussi une église, l'ensemble de passionnés pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alice, sois bénie pour ton offrande ce matin. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tellement, je vous aime tellement. Mais je vais vous laisser parce que je dois aller au travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse énormément. Avant de quitter, bien-aimés, mettez votre signature de la foi. La signature de la foi, c'est-à-dire aimer la vidéo avant de quitter. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Soyez bénis. Amen. La terre et l'obscurité, les peuples, mais sur nous, ta lumière apparaît, mais sur nous, ta gloire apparaît. Je suis éclairé par le soleil levant. Sois éclairé, car la lumière de Christ arrive sur toi. Mon ami, lève la tête. Le soleil levant, le soleil de la justice. Je suis éclairé. Il est là. Par la colonne de feu. Moi, je suis éclairé. Yes. Par la colonne de nuée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.